Le 25 mai dernier, Loana affichait sa silhouette amincie dans une série de photos publiées sur son compte Instagram, à la suite d'un shooting réalisé sur une plage de Cannes pendant le festival. Une transformation physique qui n'avait pas manqué d'interpeller les internautes. Certains s'étaient d'ailleurs interrogés sur le régime suivi par la starlette de 45 ans. Trois semaines plus tard, dans un entretien accordé à Voici, l'ancienne lofteuse endeuillée par la mort de son père, a levé le voile sur les véritables raisons de sa perte de poids. J'ai perdu 15 kilos. Je suis à 60 et quelques et j'étais à plus de 80 kilos, a-t-elle confié à nos confrères, avant d'expliquer qu'elle n'a en réalité suivi aucun régime. Ce sont en effet ces problèmes d'argent qui sont à l'origine de ces kilos envolés, j'ai mangé des pâtes pendant un bon moment et je ne suis venue à perdre 15 kilos. Si est-ce à cause de mes problèmes financiers que j'ai perdu autant de poids, a-t-elle raconté, en toute transparence. Et de poursuivre, non sans humour, si est-ce mieux que comme j'aimais tout le reste. Ça je peux te le dire. Supérieur à supérieur à Loana, découvrez son évolution physique ces 20 dernières années. Loana à la rue avec sa maman Violette. De bien tristes confidences, alors qu'en mars dernier, public faisait déjà savoir que Loana craignait de se retrouver à la rue avec sa maman Violette. Loana et sa mère Violette pourraient bien être expulsées de la maison où elles habitent à Vence, dans le sud de la France, indiquait le magazine. Elles ont arrêté de payer le loyer depuis des mois. Jusqu'ici, elles ont bénéficié de la trêve hivernale. Mais celle-ci prend fin le 31 mars et elles vont donc se retrouver à la rue, avait ajouté une source proche de la maman de Mindy. Quelques semaines plus tard, Loana faisait savoir à ses abonnés sur Instagram qu'elle était en plein déménagement pour Paris. Un déménagement qui ne s'était d'ailleurs pas très bien passé, puisqu'en déballant ses cartons, Loana avait eu la mauvaise surprise de découvrir qu'on lui avait volé des affaires. Une mésaventure de plus, dont elle se serait sans doute bien passée. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Cédric Perrin.